tous et bonjour à toutes, c'est Jojo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de DuckTales Remastered. Et donc, eh ben, on va pas chipoter, on va tout de suite aller dans le prochain niveau, parce que j'ai pas grand chose à dire, voilà, ça c'est fait. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, nous allons dans les Mills Africaines. Et, bah c'est parti. Let's go. Allons en Afrique. Joe trouve tout. Le centre de la Terre. Alors. Le plus gros diamant. Le diamant géant des entrailles de la Terre. Eh ben écoutez. Il n'y a que chez Picsou qu'on va au centre de la Terre. D'ailleurs, c'est pas Joe trouve tout, c'est... C'est Flagada Jones, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je peux dire des conneries aussi. Hein. Bref. Ah si, c'est le bon endroit. Oui. Il y a une corolle de diamant exprès pour toi, mon cher Picsou. Yo, trouve tout. Oui. C'est ça. Oh, bim. Bonjour. C'est tout au but. Il ne dure que 2 heures. Des fantômes. Il n'y a pas de votre frotto. Vous m'y hantez. Bah, on revient de la Transylvanie, donc ça ne choque pas personnellement. Oui, parce que tu es Sherlock Holmes maintenant, Picsoud. Ah bon. Minute de silence. Ah, je sais pas comment j'ai pris des dégâts, mais c'est pas grave. Bon, bref, cette musique... Ouais, en fait, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai pas vraiment de souvenir de ce niveau. Bon, maintenant, j'en ai un peu plus. Mais j'avais pas souvenir de la musique. Perso, je la trouve pas terrible. À mon avis, enfin, pour moi, c'est la moins bonne musique du jeu, bien sûr. La musique la moins terrible du jeu. Ouf. Je viens de faire une énorme connerie, mais c'est pas grave. Ok, bonjour. La clé a disparu. C'est le fantôme. Tu es pas déjà un fantôme toi-même, Picsou? Ah non. Ce troll, il n'y a pas un truc en haut? Non. Je suis désolé. Alors. Oui, comment tuer des chauves-souris rapidement? Et oui, je suis toujours autant malade. Yellow! Comment tuer des monstres très rapidement? Même si ça n'a pas duré longtemps, mais c'est pas grave. Toi, tu meurs. De toute façon, vous le savez maintenant, hein, les ennemis repopent dans ce jeu. Alors. Je vais en récupérer, voilà, ça d'abord. Et maintenant, on récupère la clé. Ok, t'avais rien à dire, Picsou. Tristesse, je voulais t'entendre parler. Alors, toi, je vais pas t'aimer. Aïe. Je voulais me faire toucher par la chauve-souris, par la limace, c'est pas grave. Enfin, c'est plus swag de se faire... de se faire tuer par une chauve-souris que par une limace, mais c'est pas grave. Bref, maintenant on a la clé, on va pouvoir se servir de l'ascenseur. Non, fallait en Transylvanie pour ça. Enfin non, château Transylvanie, mais bon.
tell you what scared them away. Overactive imaginations. Oui. I'm about to let a bunch of silly superstitions stand between me and the giant diamond of the... Entre moi et le diamant géant des entrailles de la Terre. Tirons l'appareil et descendons, les enfants. Les enfants. Parce que tu veux les faire descendre avec toi. Enfin bon, j'ai envie de dire aussi, il y a des chauves-souris, il y a des limaces, il y a des gorilles géants dans d'autres niveaux. Il y a des... comment... des sortes de momies et genre de trucs. Donc franchement, qu'il y ait des fantômes ou des trucs qui coupent des câbles, des trucs comme ça, c'est pas choquant. Enfin, en tout cas pas pour moi. Surtout dans DuckTales. Bon, je crois qu'on a trouvé le réceptacle. C'est exactement ça. Il était pas difficile à trouver, dis donc. Bah, je suis pas contre, vous me direz. Alors... bon, il y a plusieurs chemins. Eh ben écoutez, on va commencer par aller à droite. Donc à droite, c'est une sorte de cul-de-sac, donc on va pas se gêner pour y aller. Ah bah, c'est Mamie Dada. Mamie Baba, pardon. De porter un peu une petite laine. Merci, Mamie Dada. Valez votre poids en or. Oui, parfaitement. Merci, Mamie Baba. Ah, mon Dieu. Bon, j'ai envie de dire, Picsou, il a son haute forme, donc il est... qui ait besoin de laine, je dirais que non. Alors, voilà. Bon, ça, c'était facile. C'était l'étape drôle, j'ai envie de dire. Mais oui, c'est à toi, Picsou. Alors, je crois que c'est... c'est juste pour récupérer ça? Faut croire que oui. Hop. De toute façon, non, comme j'ai dit, il n'y a rien d'autre, donc... hop. Voilà. C'est simple comme cela. Et ben, on descend. Vite. Dans la mine. Oui, j'ai été à gauche. Dans la mine. Hop. Alors là, je sais, il y a un caillou. Ah d'accord, ça me one-shot. Merci. Alors, est-ce que j'ai tout récupéré, par contre? Oui, ça me récupère tout. Bah, c'est génial. Hop. Je vais récupérer le diamant. Merci. Oups, j'ai failli me suicider dans le vide. Ah, on retrouve nos chères plantes. Alors comment on les casse ces trucs? Je sais qu'on peut les casser. Peut-être un truc dans le niveau. Enfin un rocher ou ce genre de truc. Alors il y a quoi en haut? Ça nous met nous. Ah oui, 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 je suis obligé de passer par là. Je suis obligé de passer par là. C'est parti. Hop. Voilà. Je récupère tout hein, pendant qu'on le peut encore. Ah, là, il doit y avoir pas mal de trésors. Donc, faut pas que je fasse de conneries. Alors, que je fasse pas de conneries. Lui, il va là. Hop, lui. Et c'est exactement pas ce qu'il fallait faire. Non. Bon. Je suis sûr que c'était un diamant rouge qu'on devait récupérer. Enfin, qu'on pouvait récupérer. Enfin bon, c'est pas grave. On descend. Alors là, il y a un secret. C'est un secret pour personne. Haha, lol. Ah mon Dieu. Alors, hein.
Bon bah c'est exactement ce que je pensais avoir. Et maintenant on récupère le caillou. Bah oui, I'm speed. Non. Ah non, je voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. Parce que je suis trop nul. Pardon. Pardon. Je suis malade, complètement malade. Non. Voilà. Eh, on pouvait pas tout à l'heure. C'est de la tricherie. Non, je déconne. Ok, j'ai trouvé. Donc là, il y a un truc. Je n'ai rien à rajouter. Mur invisible. Alors là, il me semble que c'est pas pour rien qu'il y ait ça. J'allais faire une connerie. Et finalement, bah, je crois que si. Hein. Ce caillou flotte, hein, c'est génial. Il n'y a absolument rien. Bon, toi, je te tue parce que... Je te tue pas parce que c'est nul. Toi, parce que tu le méritais. Voilà. Oula. Bah, j'ai pas fait exprès de te tuer, toi. Non. Picsou, il a glissé. Ah mon dieu. Si l'envie m'en prend, voilà, je... Et si j'en ai besoin, surtout, je tuerai les autres canaires. Hop. Voilà. On est moins riche qu'avant, hein. Là on récupère pas beaucoup de diamants pour l'instant. Toi je te tue. C'est absolument ce que je voulais faire, hein. On est d'accord. Bon, checkpoint. Voilà. Ça au moins c'est fait. J'allais faire une bêtise. Enfin, j'ai cru que j'allais faire une bêtise. Mais... Alors, peut-être que... Voilà. Merci, parce que j'ai pas du tout utilisé le pogo. Enfin, j'ai utilisé le pogo, mais j'ai relâché le bouton du pogo quand... Quand j'ai voulu atterrir sur le coffre. Bon, bah, dans le coup, je peux pas récupérer l'autre coffre. C'est triste, mais c'est pas grave. Voilà. Ça au moins, c'est fait. C'était encore de la vie. Je regarde un peu partout s'il n'y a pas... Voilà. Alors. Voilà. Tu croyais quand même pas que j'allais t'oublier, toi, quand même. Voilà, c'était tellement évident qu'il y en ait. Alors on court. J'ai dit on court, Picsou. Hop. Voilà. Un moyen facile de récupérer de l'argent, encore une fois. Allez, Picsou. Bon. On libère la suite du niveau. Au passage, on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres diamants. Voilà. Ah, un wagon. Un autre wagon. Wouhou. Picsou avance en même temps que le wagon, hein. C'est chouette. N'importe quoi. Pardon.
Bon, ça nous fait un tour de wagon en plus. C'est chouette, non? Hop. Voilà. Bim. Et on détruit les rochers à coups de wagon avec Picsou. Oh, il y a des bouboules. Ah, des petits monstres. Des... pas des barbes à papa, mais j'ai oublié les noms dans My Little Pony. Bonjour. Ça alors, qu'est-ce que ça peut être? Sauvez-nous. Mais qu'est-ce qu'ils font encore là, eux? Mais ça fait mal. Et qui est de venir aussi, ouais? Oui, mais il t'écoute pas, Picsou. Et il te déçoit à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Oui. C'est gentil. C'est touchant. Fantôme! Non, je déconne. Elle est remontée! Les voix des mineurs! Et est-ce que c'est un endroit pour un milliardaire, enfin un vieux milliardaire, j'ai envie de dire. Voilà, hein. C'était tellement évident, ça. Ce secret était tellement évident. Alors, il y a des bidons là-dedans. Ok. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Au moins, ça a tué la plante. Pardon. Je fais des bruits grondants quand je touche. On commence à redevenir riche, c'est cool. Hop. Ça c'est fait. Bim. Ça c'est fait. Il y a des rapetous ici. Pourquoi? On se demande bien. Hop. Donc ce bidon ne sert à rien. Hein. Ok, merci. Pour un bisou. Surtout d'une plante qui veut me bouffer. Mais bon. C'est vrai que les monstres dans Smash Bros. Dans Smash Bros. Brawl, ils sont plus crédibles avec leurs bisous. Hein. Pardon. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, ouais. J'ai failli tomber. Bon là, il y a un truc en haut, c'est tellement évident. Voilà. Ça y est, on recommence à redevenir riche. Alors... il y a un truc sur la gauche, on va y aller. Je voulais me prendre l'ennemi, hein, bien sûr. Bah oui, non, sinon ce serait pas drôle. Ce serait pas drôle du tout. Je crois que j'ai touché, bien sûr. Je crois que j'ai toussé tout le long de cette vidéo. Hop. Mais, j'ai fait le pogo. Voilà. Et on devient encore plus riche. Bon. Suite du niveau. Il y a peut-être un truc en dessous, non? Enfin, hein, je voulais dire plutôt au-dessus à la base, mais c'est pas grave. Mais non! C'est là que je voulais aller. Bon, toi, tu meurs. Oh, pardon. J'aurais coupé son montage, promis. Ah, j'ai plus de gorge. Faut que j'arrive de parler trop grave. Je suis désolé. Ah mon dieu. Promis, après cette vidéo, je me fais soigner.
En fait, je veux tellement filmer de vidéos de Picsou parce que je m'amuse que j'oublie de me soigner. Alors. J'aime tellement Picsou que je veux pas me soigner. T'as cassé le sol, Picsou! Ah, bonjour! Dis-moi ce que signifie tout ce bagage! Étranger! Les subterrestres! Les grands jeux! Les roulades? Non sportif et obstruction aux roulettes de collision. Ouais. Parce que Picsou il aime bien emmerder les autres. Bim. Donc je peux le toucher. Enfin, je peux le toucher que comme ça. Et surtout pas en boule, par mes souvenirs. Alors ça veut dire que eux ils arrivent. Aïe. C'est bien, laisse-toi toucher comme Mystique. Ouais non, je rebondis juste là. Oh non, je croyais l'avoir touché. Aïe. Pardon. Bon, encore une fois. Et ça devrait être bon. Ah ça c'est autre chose, mais je sais plus quoi. Ah oui, des rochers. Aïe. Bon, faut que je le touche combien de fois lui? Hop. Voilà. Il y a peut-être deux fois... Des fois le bleu et deux fois le jaune. Mais je me fais toucher à chaque fois. C'est... Bon, moi j'ai gagné. Pas plus longtemps. Que veux-tu de nous? Oh, le pauvre. Ces jeux infernaux, vous déclenchez des tremblements de terre. Vous faites peur à mes ouvriers. Vous sabotez mes équipements. Des diamants. Et mon plus grand. Des débris de rochers. Je vous fais une faveur et vous débarrassez de ces débris de rocher gratuitement. Gratuitement, hein, c'est important. Opération minière anti-débris de rocher. Le diamant géant des entrailles de la terre. Bon. C'est sans voix, sans gorge, que je vous dis qu'on a terminé le niveau. On a enfin fini le niveau. J'ai absolument plus de gorge, c'est horrible. Bon, on a trouvé le diamant géant des entrailles de la terre. Donc Picsou peut arrêter ses fouilles minières, j'ai envie de dire. Bon, là on va sauter, hein. Vous connaissez maintenant le principe, on a beaucoup d'argent. Voilà. Ah, on a moins d'argent que dans la Transylvanie, disons. Bon. Alors comme ça, il n'y avait pas du tout... Non. Non. C'est vrai, Loulou. C'est comme je vous le dis. Il y a une explication rationnelle à tout. Même la Transylvanie.
Un tel jeu... Ça c'est une explication rationnelle, oui, complètement, Loulou. Non, Riri, enfin, non, Fifi, pardon. Oui. La prochaine partie. D'ailleurs, Pixou, ton exploitation minière, c'est pas pour trouver justement le diamant géant des entrailles de la Terre? Ah bon, non, il veut encore plus de diamants, hein, Pixou, parce qu'il n'en a jamais assez. Bref, comme d'habitude, on va voir le coffre de Pixou. Et bim, un petit plongeon. Bon, maintenant, on a le sceptre du roi, le grade d'eau du roi. On a la pièce... la pièce de l'ancien royaume... Non, du royaume l'ancienne pièce du royaume perdu, voilà. Et on a le diamant géant des entrailles de la Terre. Et ça, c'est cool. Et on va pouvoir aller acheter des croquis et des trucs dans la galerie. Et ça rime. Ah mon dieu, je n'ai plus de gorge. Bon. Pardon. Veuillez m'excuser. C'est totalement indépendant de ma volonté. Alors. Je crois que j'ai tout acheté au bout d'un moment. Hop. Ah, je peux aller dans les esquisses. Et ben, je vais pouvoir en montrer. Tiens, non, d'ailleurs, je vais débloquer un dernier croquis ici. Et on va aller dans les esquisses. Oh, pardon. Veuillez m'excuser. Oh, mon Dieu. J'achète les moins chers, bien sûr, hein, c'est plus facile. Bon, on va pouvoir aller voir dans les croquis ce que j'ai débloqué. Ça, c'est l'Amazon. La Transylvanie, qui est bien belle, dis donc. La Transylvanie, encore une fois. Bah, c'est encore la Transylvanie, ça, je crois. Encore. Encore. Ah, ça, c'est les... Ça c'est les ruines minières. Les mines africaines. Et ça c'est du spoil. Donc je vous montre. Ce sera d'ailleurs notre prochain niveau. Bah oui, bah oui, donc je peux vous montrer. Ça sera notre prochain niveau. Parce que oui, les gens. D'ailleurs on va aller dans les esquisses pour voir l'Amazon en esquisse. Et ça, hop. Donc je peux vous le montrer, hein, c'est pas vraiment, enfin c'est pas un spoil vu qu'on sait dans quel niveau on ira. Donc, comme vous avez pu le voir, dans la prochaine partie, nous irons dans l'Himalaya, les gens. Et oui, rien que ça, nous irons à l'Himalaya, qui est un niveau que j'aime beaucoup aussi. Hein. Dans mon top 3 des niveaux, il y a l'Himalaya, la Transylvanie. Non, l'Himalaya, la Lune et la Transylvanie, voilà. Enfin bref, je vais pouvoir enfin finir cette vidéo. Oh mon dieu, c'est sans voix. En ayant plus de gorge que je vous dis que cette vidéo est finie. Je vous invite à liker, à vous abonner si vous voulez continuer à suivre l'aventure de Pixou, qui est de plus en plus géniale, même si elle est toujours géniale. Je vous invite à aller sur le Twitter où je posterai à mon avis mes magnifiques aventures avec ma gorge, les magnifiques avancées de ma pauvre gorge. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos du Cuba et puis je vous dis à bientôt pour une belle vidéo. Allez, salut à tous et que la puissance des diamants soit avec vous. Allez, salut à tous et à la prochaine.